Salut les amis, bon, bienvenue sur ma chaîne Carpe Passion Lulu Tranquillou. Donc aujourd'hui ça va être une pêche rapide d'après-midi. On est sur l'étang où on a payé 30 euros l'année. Là. Ça faisait un petit moment qu'on n'était pas venu. D'ailleurs ça fait un petit moment qu'on n'a pas été à la pêche tout court. Parce que mon fils et moi on a chopé le Covid. Donc j'ai un petit peu de mal à m'en remettre, dû à mes problèmes respiratoires. Et plus d'odorat, plus de goût. Ça va faire 15 jours maintenant. Ouais, facile. Hein. Ouais, ça fait 15 jours là. J'ai un petit peu de mal à m'en remettre. Moi, ça fait 3 semaines. Là, toujours fatigué et tout. Bon, mon fils, il est plus jeune, donc c'est... Moi, j'ai juste plus d'odorat, mais ça se sent. Il a juste plus d'odorat, mais il est moins fatigué que moi. Je suis pas fatigué. Mais bon, on va essayer de s'en remettre petit à petit. Hein, on va pas... C'est chiant, mais c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, ça va être une pêche avec des échantillons. Donc, j'ai 3 sortes de bouillettes. Donc, j'aime pas trop pêcher comme ça, mais bon. On verra bien. Donc là, j'avais des échantillons de Scopex crème. Donc on a mis deux cannes à la Scopex crème et deux cannes à la fraise de Scopex. Ça se ressemble un peu. Et on a emmené quelques chocolats bananes au cas où ça déroulerait et puis qu'on n'aurait pas assez de bouillettes, on finira avec ça. Donc on vient d'avoir une petite tape. J'ai pas vu laquelle canne que c'était. Je vois pas les couleurs de là. Ouais, sauf que on aurait pu regarder sur la centrale, j'ai pas regardé. Donc voilà, on va essayer de vous faire voir quelques poissons. Donc là, on est mercredi. Ouais, au moins ça. On doit être le 2 ou 3 août. Le 2 ? Non, le 3. 2 ou 3 août ? On est le 3 août. Le 3 août ? Oui. Donc voilà, on s'est dit, tiens, on va aller faire une petite partie de pêche quand même. Et parce que j'ai pas mal de commandes de bouillettes et en ce moment je roule et j'ai plus le temps d'aller à la pêche. Et en même temps, j'étais pas trop motivé avec ce Covid là à y aller. Donc là on s'est décidé à la dernière minute, allez hop, on s'est dit on roule pas aujourd'hui, on va faire une après-midi. On va aller passer l'après-midi au bord de l'eau jusqu'à ce soir, tomber de la nuit. Donc voilà, stratégie, petit tapis de bouillette. J'ai fait deux tapis de bouillette séparément. Puis j'ai mis deux cannes avec Scopex Rem et deux cannes avec la fraise de Scopex. En espérant faire une touche et pourquoi pas un joli poisson. Même si c'est des petites, c'est pas grave. Du moment qu'il y a ça déroule. Quoi dire de plus ? Pas grand chose. On va mettre le caméscope à filmer les cannes et on va essayer de filmer une touche en direct et vous reprendre avec un poisson. Et on va essayer de filmer les combats aussi. Hein, ouais. Ça serait bien. Allez, on est motivé. C'est parti. Allez, à tout de suite. Les amis, ça fait plaisir. Premier poisson. Ah, par contre, elles sont maigres, hein, je trouve. Ouais, les maigres, c'est là. Sérieux manque de nourriture chez eux. Voilà, premier petit poisson. Miroir de 5-6 kilos, peut-être 7. Ouais, elle est toute maigre. Mais toute maigre. Un sacré manque de nourriture chez eux là. Putain. Allez, on la relâche.
va essayer d'en prendre une deuxième. Déroule, chez Fred. C'est bizarre. Allez. Non. Ben, Oumi, décalez-vous. La vidéo. Bon, ben voilà les amis. Deuxième poisson. Poisson dans les 10 kilos à peu près. Si elle se laisse faire, évidemment. Là, on veut pas. Tu vas reprendre une douche, toi, en fait. Voilà. On a pourri le cabescope. Oh putain. Tu vois quelque chose dedans, moi. Allez, on va la remettre à l'eau et on va essayer d'en prendre une autre. Tu la pèses pas? Non. Ah bon? Ah. Bon, ça fait. Olé. Oh! C'est pas moi. Bah, ça vient de tirer dessus, là. Ça fait une belle. Oh. Elle bouge pas! Bon, ben voilà les amis, troisième poisson. Big Coco. Voilà, troisième poisson, toujours la bouillette Scopex Crème. Voilà, voilà. Départ en direct et allez, on va la relâcher et on va t'en retendre la canne. On va vous la faire voir de l'autre côté. Voilà. Allez, c'est parti, on la relâche. Allez, déroule. Oh, non, tu. Allez, vas-y. Elle en veut, la petite, là. Alors, qu'est-ce qu'elle fout? Alors, Fifi, c'est bon. Bon ben voilà, quatrième poisson, je crois, c'est ça. Ouais. Donc, fils qui a ferré. Quoi? Sur mon fauteuil, là. Alors, attends.
Je fais ça, ça. T'appuies longtemps sur l'appareil photo. Hein? T'appuies longtemps sur l'appareil photo. Ah, sur l'appareil photo. D'accord. Voilà. Belle petite coco. Attendez, je prends une photo, les gars. Voilà. Hop. Bon, ben impeccable. Allez, on va passer à la remise à l'eau. Un peu abîmé de ce côté. Allez, c'est parti, on la relâche. Et... Attends, je vais la foutre de ce côté. Hop. Oh putain, j'ai une touche là. Mais bravo! T'as pas besoin de tuer en photo? Je tombe bien qu'en photo. Est-ce que je vais réussir à soulever ça, moi? Oui, Laurine. Oh. Oh putain! Tu peux zoomer hein, la qualité, franchement. Elle monte-nous tes muscles. Oh, mais j'y arrive pas avec mes bras, moi! Je vais un sourire. Putain. Tu l'auras pas. Oui, il va l'aider. Il prenait la deux. La tête et tout, papa, il prend la queue. C'est quoi ça? Peut-être que j'y arriverai mieux dans ce sens. Ah, j'arrive pas à la soulever. Bon allez, on va la relâcher. Ça fait super plaisir. Cinquième poisson, on a trois canards lancés. Allez. Alors fatigué. Bon, elle était. Hein? Les détecteurs sont pas allumés. Du coup, il est en ferré, il n'y a plus rien au bout. C'est l'autre. C'est l'autre. C'est un truc qui passe dans le fil. Non, regarde. Ah si, vous avez ça, ça part. Bon, les amis, cette petite vidéo va se terminer ici. Bon, résultat de notre petit après-midi avec ces grandes chaleurs. Putain, il a fait chaud. Donc, pas mal de poissons sur le coup, mais 5 départs, 5 arrivées. Donc, comme vous voyez, un pêcher avec des plombs légers. Et j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup moins de décroches, malgré des poissons vachement abîmés, qu'on la bouche vachement abîmée. Donc voilà, allez, je vous laisse, je vous dis à une prochaine vidéo, je ne sais pas ce que ça sera, peut-être une partie de pêche, en rivière ou en barrage, ou on verra bien. Allez, je vous dis merci à tout le monde et je vous souhaite... bonne pêche. Allez, ciao, bye bye.